Remercions Emmanuel Cartier, Gilles Tout-le-Monde qui nous ont accueillis, qui nous ont fait venir ici. Et remercier aussi Alain Lacaisse, donc membre de notre conseil scientifique et qui aussi a joué un rôle très très important. J'aurais voulu pouvoir remercier directement. C'est important finalement le rôle d'Alain Lacaisse puisque c'est symbolique un petit peu de ce qui se passe au sein du conseil scientifique. Réuni des constitutionnalistes qui aiment l'histoire, des spécialistes d'histoire politique. Il en existe encore quelques-uns qui survivent dans la toute petite place que les culturalistes donc nous laissent de notre discipline, mais donc qui connaissent par nécessité les questions constitutionnelles. Et finalement, de cette collaboration naissent des initiatives, des ouvrages donc sur Épinal, sur Bayeux, qui étaient exposés dans le hall de l'Amphi Cassin, des témoignages précieux, les souvenirs de Léon Noël, donc qui ont été édités par la Fondation. Puis des initiatives plus récentes également, puisque au-delà des témoignages, le rôle de la Fondation, du son conseil scientifique, c'est aussi de s'interroger sur cet héritage constitutionnel. Récemment, par exemple, on a conclu avec l'Université de la Louise et avec la Fondation Magna Carta à Rome un séminaire annuel sur une étude comparée des enjeux constitutionnels. Il y a 2 ans, on a parlé du réformisme constitutionnel, l'an passé, on a parlé de la réforme territoriale et de la décentralisation, et en septembre prochain, on ira parler de la crise des partis et du rôle des primaires avec l'Institut Montaigne, d'ailleurs, qui viendra avec nous, sachant que les Italiens, manifestement, une espèce de préscience des tourments constitutionnels que la France est destinée à connaître. Dans le cadre de ces initiatives donc, et de cette collaboration, il y a eu donc ce séminaire, donc, dont effectivement la revue Espoir, qui vous a été distribuée à tous, donc réunit, pas tout à fait la totalité, mais l'essentiel donc des travaux. On est parti finalement d'une question simple. On nous reproche souvent finalement, alors qu'on a pour mission de défendre quelque part ou de faire vivre l'héritage de Charles de Gaulle, on doit souvent faire face finalement à une critique classique de la Ve République, qui est celle de dire « il s'agit d'un régime qui est fait par et pour le général de Gaulle », c'est-à-dire d'un régime atypique qui, quelque part, a toujours marché un petit peu à cloche-pied depuis que le général de Gaulle a quitté le pouvoir. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que, comme le rappelait l'amiral, on va à l'étranger. Et au Liban, par exemple, j'ai eu l'occasion récemment d'enseigner, de parler du modèle français des jeunes étudiants libanais. Il y a une fascination pour ce modèle, justement, la Ve République, pour le pouvoir qu'il donne au président. Pour essayer finalement de faire bouger les lignes, de défendre, peut-être pas, mais en tout cas de proposer de nouveaux axes de réflexion sur la Ve République, ben, peut-être que l'une des questions qui s'imposait, c'était de se demander d'où elle vient. Est-ce que véritablement la Ve République naît, apparaît comme ça, nulle part, en 1958, ou est-ce qu'elle ne s'inscrit pas finalement dans certaines traditions constitutionnelles, et même plus encore, justement, c'est l'hypothèse qu'avec Gilles Leveguec, l'ancien président du Conseil scientifique, nous a guidé, est-ce que la Ve République, le texte de 58, n'est pas un texte de confluence et un texte de réconciliation, de compromis même peut-être. C'est là le sens du parallèle que l'amiral faisait en introduction avec le texte de 1975. On est donc parti un petit peu à la pêche en quelque sorte, on est parti un petit peu dans une généalogie de ce qui a pu nourrir la pensée gaullienne, mais également celui des hommes qui ont joué un rôle important dans la constitution de 1958. Sachant que dans ce processus de formation dont on voudrait vous parler aujourd'hui, donc avec mes deux collègues, il y a des moments et il y a des traditions. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le court terme, mais aussi le long terme. Il y a incontestablement des moments fondateurs dans la pensée constitutionnelle du général 1913, quand alors qu'il sort de Saint-Cyr, Raymond Poincaré est élu président de la République, qu'alors ça apparaît comme un moment de reprise en main, de refondation en quelque sorte de l'exécutif, qui coïncide d'ailleurs avec le moment Joffre, c'est-à-dire là aussi, au niveau militaire, une concentration des pouvoirs. Les années 30, alors que de Gaulle est au SGDN, l'ENA du connétable, comme dira Pierre Lefranc, eh bien, c'est le moment de la fameuse réforme Poumergue de 34. C'est le moment aussi où de Gaulle va lire Le souverain captif de Tardieu, Tardieu qui lui a proposé d'entrer à son cabinet en 1932. C'est également à cette période où de Gaulle se situe au cœur de l'État, apprend la mécanique étatique qui va être confrontée au constitutionnalisme militaire. 1945 également,
Et 1945 à divers titres. Peut-être 1945, comme le rappelait Jean-Félix de Bujadou, parce que René Capitan lui conseille à De Gaulle de lire deux manuels de droit constitutionnel, du Guy et Barthélémy, pas Karim Malberg, hein, d'ailleurs, paradoxalement, et que cette lecture, ben, finalement, elle vient nourrir une pensée constitutionnelle du général De Gaulle, qui jusque-là, comment dire, est assez aérienne, disons en tout cas, qui se fonde pas sur des détails précis. 45-46 aussi, parce que c'est là que par confrontation avec les projets de l'Assemblée constituante, ben De Gaulle va élaborer sa pensée constitutionnelle. Mais il y a aussi des traditions. Je reprends une formule de Jean-Félix de Bujadou. De Gaulle, constitutionnaliste, est un militaire qui connaît l'histoire. Le rôle de la réflexion historique de long terme est également essentiel dans la fondation de la pensée constitutionnelle de De Gaulle. De Gaulle connaît la monarchie de Juillet. De Gaulle, surtout, connaît très bien les débuts de l'histoire de la Ve République. Ce qui amène finalement à réhabiliter certaines traditions un petit peu oubliées. Celle, par exemple, du fameux texte Thiers du Fort, mais également la pratique de MacMahon en 1875. Cette idée que finalement, les textes de 1875 étaient une référence que la crise du 16 mai 1877 et la constitution Grévy ont aux yeux de Gaulle, il le dira dans une conférence en captivité en 1917, ont complètement déformé. Bref, pour essayer de se situer justement un petit peu en lien entre ces moments fondateurs et ces traditions, pour essayer de comprendre également en quoi on peut dire justement que la Ve République est un texte de confluence, de compromis en quelque sorte, on voudrait développer deux axes. Le premier sera développé par mon collègue Jean-Félix de Bujadou, donc doctorant sous les ordres, sous la direction de Philippe Lovot. Je suis désolé, j'ai fait ma thèse à Paris 4, donc il y a des vieux réflexes qui ressortent à ce moment-là. Sous la direction de Philippe Lovot sur le parlementarisme rationalisé, qui a publié sur la constitution de la Troisième République, et qui se proposera justement d'explorer tout cet héritage de la Troisième République, aussi bien de l'histoire de long terme de la Troisième République, celle que De Gaulle n'a pas connue directement, mais également celle du constitutionnalisme, du réformisme constitutionnaliste des années 30, et notamment du constitutionnalisme militaire extrêmement important et récemment réhabilité par mon vieil ami Nicolas Rousselier. Et dans un second temps, c'est David Bellamy, donc maître de conférence à l'Institut d'Histoire, l'Université d'Amiens, et toujours patron de l'Institut d'Histoire à Amiens, si je ne m'abuse, donc grand spécialiste de l'histoire du gaullisme, de la 3e, de la 4e, de la 5e République, auteur d'une biographie, d'une thèse de référence sur Geoffrey de Montalembert, sans doute l'un des tout meilleurs connaisseurs actuels du personnel politique gaulliste, qui reviendra finalement, lui, sur deux aspects. D'abord, le rôle de la période 45-46, le moment où s'élabore quelque part, peut-être par opposition, la pensée constitutionnelle de De Gaulle à travers les discours de Bayeux et d'Épinal, et puis d'autre part, une autre question qui mérite d'être posée, l'effort du RPF, puis des Républicains sociaux, l'effort des partis gaullistes pour proposer un réformisme constitutionnel avec cette question qui mérite d'être posée. Est-ce que la constitution de 58 est celle qu'aurait voulu le RPF ? Est-ce que c'est fondamentalement les idées de De Gaulle qui s'y imposent de manière directe ? Est-ce que celles-ci même en 58 sont forgées ? Ensuite, après leur avoir laissé la parole, je me permettrai d'ajouter un ou deux mots de conclusion. Je passe donc la parole à Jean-Félix de Bujadou. Merci. Alors, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, je vais vous répéter de la Troisième République et commencer par une citation. En février 1964, le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale écrivait dans la Revue politique et parlementaire, je le cite, « Le schéma constitutionnel actuel est celui vers lequel tendaient déjà des hommes d'État comme Clémenceau, Millerand et Doumergue, qui, éclairés par l'expérience de la Première Guerre mondiale et celle de l'entre-deux-guerres, avaient compris la nécessité d'une réforme constitutionnelle. André Tardieu, à son tour, comprit cette réforme de la même façon. Parmi les auteurs de droit constitutionnel, le plus grand, qui fut Raymond Carré de Malberg,
aboutit à des conclusions semblables. Dans un article admirable publié en 1931 dans la Revue du droit public, il définissait 30 ans à l'avance les réformes qui devaient être réalisées en 1958 et 1962. Et la citation se termine de la façon suivante. « Le général de Gaulle est l'héritier de ses réformateurs. Son grand mérite est d'avoir réussi à inscrire ces réformes dans la réalité. » L'auteur de cette citation, juriste éminent et très proche du général de Gaulle, est René Capitan, professeur à la faculté de droit de Paris, ancien ministre, député à plusieurs reprises, et qui, jeune professeur à l'université de Strasbourg, avait également participé au débat sur la réforme de l'État sous la Troisième République, en publiant en 1934 un opuscule sur la réforme du parlementarisme. Parmi les proches du général de Gaulle, il est sans doute celui qui a inscrit le plus clairement la pensée et l'action constitutionnelle du fondateur de la France libre dans la continuité de celle des réformistes constitutionnels de la Troisième République. On ne trouve pas ce type de réflexion chez Michel Debré et a fortiori chez le général de Gaulle lui-même. Peut-on dès lors considérer véritablement que le général de Gaulle est l'héritier, comme le dit René Capitan, d'une partie des courants réformistes de la Troisième République? Cette question renvoie à deux interrogations. La première concerne le rapport du général de Gaulle aux institutions de la Troisième République elle-même, quelle en était sa perception? La seconde porte sur les rapports du général de Gaulle aux courants réformistes de la Troisième. Trouve-t-on trace de leur inspiration dans les idées constitutionnelles du général de Gaulle? Le rapport du général de Gaulle aux institutions de la Troisième République, tout d'abord. La première approche du général de Gaulle sur les questions institutionnelles est celle d'un officier amené à y réfléchir à travers le prisme de l'organisation de la défense nationale et de l'articulation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. C'est durant sa captivité en Allemagne, à partir de 1916, au fort d'Ingolstadt, que Charles de Gaulle entame ses premières lectures, ses premières réflexions de fond sur les institutions de 1875. Parmi les lectures qui font l'objet de notes plus ou moins précises dans ses carnets, on remarque les souvenirs de Charles de Freycinet qui reviennent très précisément sur les conditions de la mise en place des institutions de la Troisième République dans les années 1870. Les sophismes politiques de ce temps du publiciste libéral Charles Benoît, publié en 1893, ou La République des camarades, publié en 1914 par Robert de Jouvenel, sur la pratique institutionnelle de la Troisième République. Les notes prises dans ces carnets montrent aussi que Charles de Gaulle s'intéresse au fonctionnement des régimes étrangers contemporains, et tout laisse à penser qu'il a lu Ingolstadt, les notes sur les États-Unis publiées par André Tardieu en 1908 et le prince von Bülow, qui parle des institutions de l'Empire allemand, publiées par le même Tardieu en 1909. Deux régimes américains et allemands au sein desquels, comme l'a relevé l'historienne Odile Rudel, les personnalités de Theodore Roosevelt, du président Theodore Roosevelt et du chancelier Bülow, ont illustré avec succès les tentatives de gouvernement libéral entièrement différentes du système républicain parlementaire de la France, ces régimes américains et allemands qui, par une pratique rigoureuse de la séparation des pouvoirs, étaient alors de véritables contre-modèles pour le système parlementaire français. Le général de Gaulle a également été conduit, Frédéric l'a dit, à s'intéresser aux questions constitutionnelles en participant entre 1932 et 1937 aux travaux du secrétariat général de la Défense nationale, notamment dans le cadre de la préparation de la future loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre. De ces lectures et observations directes des institutions et de la vie politique et parlementaire, quelle perception le général de Gaulle a-t-il retiré des institutions de la Troisième? Nous pouvons remarquer que sur une question l'intéressant prioritairement, celle de l'organisation du pouvoir exécutif et du rôle attribué au chef de l'État, il a distingué très tôt entre la lettre des institutions de 1875 et leur pratique après le départ de MacMahon. Ainsi, au cours d'une conférence
tenu devant ses camarades prisonniers en 1917 à Ingolstadt, Charles de Gaulle insiste-t-il particulièrement sur le fait que la Constitution de 1875 faisait du président de la République, je cite, le chef du pouvoir exécutif, mais que nos mœurs, nos traditions politiques ont exclu le président de la République du pouvoir exécutif proprement dit et en ont fait un conseiller permanent du Conseil des ministres et un personnage représentatif. Le général de Gaulle y reviendra au cours d'une conférence de presse le 1er octobre 1948 en déclarant, je cite, « Dans ma conception du régime qu'il convient à la France, le président de la République serait le chef du pouvoir exécutif comme il l'était dans la Constitution de 1875. » C'est pour remédier à ce dévoiement de la lettre des lois constitutionnelles de 1975 dans le sens d'un régime d'assemblée que plusieurs courants réformistes ont proposé, dès les premières décennies de la Troisième République, de faire le voyage à Versailles. Le général de Gaulle lui-même a pu observer en juin 1934 la tentative de révision constitutionnelle et dans une lettre en juin 1934, cette année qui aurait pu être celle de la réforme de l'État, il souhaite, je le cite, que la vieille République des comités, des élections et des faveurs cède peu à peu la place à de nouvelles conceptions. Donc le rapport du général de Gaulle au courant réformiste constitutionnel de la Troisième République ensuite. Le réformisme constitutionnel de la Troisième République se partage entre de nombreux courants. Ce sont principalement deux d'entre eux, le réformisme libéral conservateur et le réformisme plébiscitaire, qui ont pu inspirer, plus ou moins directement, le général de Gaulle à travers la connaissance qu'il a pu avoir de leurs préconisations. Le réformisme libéral conservateur, d'abord, il entend restaurer l'équilibre des institutions parlementaires de 1875 dévoyées par la pratique de la Constitution Grévy. Ce réformisme met notamment l'accent sur le rétablissement effectif des prérogatives du chef de l'État, en particulier le droit de dissolution. Ce réformisme libéral conservateur a été incarné entre les deux guerres par Alexandre Millerand ou par André Tardieu, qui sont cités par René Capitan en 1964. Il trouve ses racines assez largement dans les propositions présentées au début du XXe siècle par le publiciste Charles Benoît, dont le général de Gaulle, on l'a dit, connaît une partie des écrits. De ce réformisme libéral conservateur, le général de Gaulle reprend deux idées fortes, la restauration du droit de dissolution et la restauration de la fonction présidentielle. Le général de Gaulle a toujours attaché beaucoup d'importance au mécanisme de la dissolution. Il insiste sur ce fait quand il s'exclame devant Alain Perfit en 1966 à propos de l'ouvrage « La réforme de l'État » qui avait été publié par Tardieu en 1934. Je cite « Il faut lire ce bouquin, il y a tout, Tardieu avait tout compris mais il était bien le seul ». André Tardieu semble d'ailleurs le seul réformiste constitutionnel de la Troisième auquel le général de Gaulle a pu faire allusion à plusieurs reprises dans des conversations privées. Et d'une certaine façon, sur la dissolution, on pourrait considérer qu'aux yeux du général de Gaulle, l'intérêt du maintien du régime parlementaire réside avant tout dans l'existence de ce droit de dissolution de la Chambre basse, qui est le corollaire de la responsabilité ministérielle. Ces critiques récurrentes du régime présidentiel reposent en effet souvent sur le constat de l'absence de mécanisme constitutionnel permettant de trancher les conflits entre le président et le Parlement. Deuxième idée force inscrite dans le corpus du réformisme libéral conservateur, la restauration de la fonction présidentielle. Sur ce point, plusieurs des réformistes libéraux conservateurs sont partisans d'un régime dualiste, comme Charles Benoît ou Alexandre Millerand, et ils semblent hésiter entre la conception d'un arbitrage présidentiel renforcé destiné à corriger le déséquilibre entre les pouvoirs et à intervenir en soutien du gouvernement, et une conception du rôle de chef de l'État qui tendrait davantage vers une véritable présidence gouvernante, comme l'imaginait déjà Thiers en 1873, dans le projet constitutionnel Thiers du Fort présenté en avril 1873, quelques jours avant la chute de Thiers,
et donc il n'a pu être examiné par l'Assemblée nationale. C'est vers cette dernière conception d'une présidence gouvernante que le général de Gaulle semble pencher en rappelant à plusieurs reprises, je l'ai dit, que la Constitution de 1875 établissait le président de la République comme véritable chef du pouvoir exécutif et en entendant renouer avec cet ordonnancement. En cela, il rejoint les préoccupations d'un autre courant réformiste de la Troisième, le réformisme plébiscitaire. Ce réformisme plébiscitaire et présidentiel est l'héritier des doctrines constitutionnelles du bonapartisme. Il récuse le parlementarisme au profit de l'établissement d'un lien direct entre le chef de l'État et le peuple à travers l'élection au suffrage universel de ce dernier ou par la consultation populaire par voie référendaire. On peut qualifier ce réformisme de présidentiel car il prône une séparation stricte des pouvoirs. Certes, après la chute du Second Empire, la doctrine constitutionnelle plébiscitaire n'est plus défendue que par des forces qui apparaissent comme extérieures au régime. Mais elle se perpétue néanmoins jusqu'à la fin de la Troisième République. Ce réformisme plébiscitaire a été porté notamment par le Parti boulangiste ou par la mouvance nationaliste au début du XXe siècle autour de Paul Déroulède. Élément à noter, les boulangistes comme les républicains plébiscitaires, dans leurs écrits sur les questions constitutionnelles, se réfèrent expressément au régime américain pour souligner qu'il existe d'autres formes de république que la république parlementaire. Alors, le général de Gaulle ne cite jamais publiquement les républicains plébiscitaires, mais on sait cependant que Paul Déroulède est une figure qui a compté pour lui, qui a compté pour le jeune Charles de Gaulle, et qu'il l'a même rencontré en 1912. Dans le même temps, l'idée défendue par les républicains plébiscitaires d'un mandat national confié directement par le peuple au chef de l'État est aussi récurrente dans les réflexions et les discours du fondateur de la Ve République. Le général de Gaulle reprendra à plusieurs reprises cette notion de mandat national dans ses discours après la réforme de 1962. À l'instar des républicains plébiscitaires, le général de Gaulle s'est lui aussi intéressé, dès 1916 on l'a dit, au fonctionnement de la République américaine qui a permis l'affirmation d'un gouvernement présidentiel à partir du début du XXe siècle à travers les présidences de Theodore Roosevelt et de Woodrow Wilson. Parallèlement à cette affirmation aux États-Unis du gouvernement présidentiel, il y a, Frédéric l'a dit, dans le premier quart du XXe siècle en France, un moment présidentiel dans le débat sur la pratique institutionnelle, notamment à partir de 1913 avec l'élection de Raymond Poincaré. Raymond Poincaré, de manière limitée et nuancée, et Alexandre Millerand, avec beaucoup plus de vigueur, pendant son mandat présidentiel de 1920 à 1924, ont essayé de restaurer le rôle et les prérogatives du président dans les institutions. Ce moment présidentiel s'achève avec la démission forcée du président Millerand en 1924 et le réformisme constitutionnel de la Troisième de 1924 jusqu'en 1940, quand il insiste sur le nécessaire renforcement du pouvoir exécutif, pensera toujours renforcement du chef du gouvernement, du président du Conseil, et ne pensera plus renforcement du chef de l'État. René Cassin souligne dans ses mémoires que le général de Gaulle l'a souvent interrogé pendant la guerre sur le régime des États-Unis. Je le cite, « À l'égard de ce pays, le général était partagé entre l'étonnement et l'envie. Il semblait extrêmement séduit par la conception américaine du gouvernement présidentiel, mais la question des conflits éventuels entre les chambres ne l'intéressait pas moins. Il ne trouvait pas satisfaisant que le président, s'il était républicain, subisse la contrainte de gouverner avec un Sénat en majorité démocrate ou inversement. Il fut manifestement très étonné lorsqu'il apprit que le président n'avait pas le pouvoir de dissoudre la Chambre des représentants. » Peut-on vraiment considérer le général de Gaulle comme l'héritier des réformistes de la Troisième République? Et dans le sens où l'entendait René Capitan, ce courant libéral conservateur. En définitive, sans jamais s'y référer dans ses écrits ou ses discours, le général de Gaulle semble avoir tiré, en effet, de larges enseignements des propositions des courants révisionnistes de la Troisième. Seulement, comme dans d'autres domaines de sa réflexion et de son action, il a fait preuve d'un véritable syncrétisme constitutionnel
en combinant, sans se préoccuper de s'inscrire dans la classification classique des régimes politiques, les idées parfois contradictoires portées par les différents courants révisionnistes de la Troisième République. Il intègre dans sa réflexion aussi bien le révisionnisme, le réformisme de restauration des institutions de 1875 dans leur objet initial défendu par le réformiste libéral conservateur, que le révisionnisme de transformation du régime défendu par le révisionnisme plébiscitaire. Le général de Gaulle a trouvé, comme le souligne à nouveau René Cassin, le moyen d'orienter notre pays vers le gouvernement présidentiel, mais de maintenir le droit de dissolution de la Chambre par le pouvoir exécutif. Pour, comme l'écrira le général de Gaulle dans ses Mémoires d'espoir, doter l'État d'institutions qui lui rendent, sous une forme appropriée au temps moderne, la stabilité et la continuité dont il était privé depuis 169 ans. Je vous remercie. Dans ce travail de recherche des eaux qui se mêlent dans cette confluence dont Frédéric Fogassi a parlé, je vous propose de remonter trois rivières pour voir d'où viennent ces eaux. Et d'abord, l'une qui est en quelque sorte une transition avec ce que Jean-Félix de Bujadou vient de dire, c'est-à-dire l'influence des projets de la résistance. Dans le séminaire de la Fondation Charles de Gaulle, c'est Diane de Melsis qui avait travaillé sur ce sujet, et elle nous avait expliqué combien finalement la vingtaine de projets issus de la résistance, soit des projets individuels minoritairement, soit des projets collectifs, avaient pu influencer l'écriture de la Ve République. En particulier, elle mettait en relief que le projet personnel de Michel Debré et le projet collectif auquel il avait participé, celui du Comité Général des Études, étaient des projets dans lesquels on retrouvait un certain nombre d'éléments qui se trouvèrent plus tard dans le texte ou dans l'esprit de la Ve République. En effet, la plupart de cette vingtaine de projets issus de la résistance sont des projets qui souhaitent, d'une part, une République nouvelle, qui rompe clairement avec l'héritage de la Troisième République, ou en tous les cas avec ce que la Troisième République était devenue dans les années 20 et 30. Il demande également un président de la République au pouvoir renforcé. Très peu de projets souhaitent un régime présidentialiste. La plupart restent favorables à des régimes parlementaires, mais avec un chef de l'État qui aurait des pouvoirs beaucoup plus considérables que dans la pratique, en tous les cas, de la Troisième République, modèle Grévy. L'ensemble de ces projets demande également une Assemblée nationale dominante. Quelques-uns vont même jusqu'à réfuter le bicaméralisme, et ceux qui acceptent une seconde chambre souhaitent que cette seconde chambre ait finalement assez peu de pouvoir, et enfin que cette Assemblée dominante soit une Assemblée marquée par ce que l'on appelle déjà le parlementarisme rationalisé. Et Diane de Melsis terminait son intervention en s'étonnant, car finalement nos recherches aboutissent finalement à poser plus de questions qu'à imposer de réponses, elle s'étonnait de voir que tous ces projets issus de la résistance n'avaient donné aucun fruit dans les deux projets constitutionnels de 1945 et 46, et qu'au contraire, finalement, leur héritage était bien plus considérable dans ce qu'on pourrait appeler le troisième projet, celui que de Gaulle propose aux Français en 58 et qui est finalement adopté. Ça, c'est une première rivière. Alors, il y en a une seconde qui est celle qui avait traité le professeur Didier Mauss, qui est ici présent. C'était l'influence de la période du gouvernement provisoire de la République française, cette période de transition qui est extrêmement utile d'étudier pour comprendre tout cela. D'abord, l'influence des consultations, Frédéric Fogassi y a fait allusion, des consultations que de Gaulle mène, des conversations qu'il a pendant cette période. On sait que pour de Gaulle, jusqu'au 8 mai 45, ce qui compte, c'est d'abord terminer la guerre. Après mai 45,
Il commence à s'intéresser un peu plus aux questions constitutionnelles. Il discute avec René Cassin, il discute avec René Capitan. Frédéric l'a rappelé, qui mettent leur bibliothèque à la disposition véritablement du général de Gaulle. Il discute avec Paul Bastide, il discute avec Jules Jeanneney, qui est son ministre d'État chargé de la question, évidemment avec Michel Debré, et sans aucun doute, ces convictions un peu évanescentes dans le domaine institutionnel du général de Gaulle s'affermissent de ces discussions et de ces lectures, et tout cela aboutit aux décisions éminemment importantes de l'été 45, la fameuse ordonnance du 17 août 1945 que Marcel Prélot appelle la petite constitution, celle qui aboutit à la loi constitutionnelle de novembre après le référendum, le double référendum du 21 octobre, on a là l'évidence que de Gaulle a cristallisé ses convictions dans cette décision. Cette ordonnance du 17 août 45, elle est véritablement majeure dans notre histoire constitutionnelle. Le peuple a le pouvoir constituant par ce double référendum, et il a le mot final, si je puis dire, dans l'élaboration, en tous les cas dans la ratification du texte constitutionnel. Et puis, c'est la première fois que dans un texte législatif, le mot référendum se trouve présent. Tout cela n'aboutit pourtant pas à une victoire du général de Gaulle, puisque, on le sait, si de Gaulle gagne le double référendum d'octobre 1945, et il est en particulier très attentif aux 66% de Français qui ont voté oui à la deuxième question, qui établit provisoirement un régime qui correspond à ses voeux. Néanmoins, il gagne les référendums, mais il perd les élections législatives, puisque les Français donnent leur voix à des partis qui ne partagent pas le projet constitutionnel du général de Gaulle. La question qu'on peut là se poser, c'est: est-ce que les Français savaient, en votant pour le Parti communiste, pour le MRP, pour la SFIO, qu'ils votaient pour des hommes qui allaient défendre des projets constitutionnels tout à fait différents de ceux du général de Gaulle? C'est très loin d'être certain. Tout cela se termine par la démission de janvier 1946, un temps de latence, et puis cette période de combat que de Gaulle reprend après l'élection de la seconde constituante. Il donne l'impression d'être convaincu qu'il y a là une possibilité de faire advenir enfin ces idées constitutionnelles. C'est, on le sait, le discours de Bayeux qui est le texte finalement le plus finalisé sur les convictions constitutionnelles du général de Gaulle à l'époque. C'est la dizaine de prises de parole publiques qu'il fait entre juin 46 et puis la fin de l'année 46. On sent qu'il est vraiment dans le combat pour défendre ses idées constitutionnelles, mais c'est finalement l'échec, puisque le MRP accepte de reprendre les discussions pour le second projet constitutionnel, comme le proposent les socialistes, à partir du premier projet qui a été rejeté par les Français pourtant. Et donc, là, à nouveau, on a une question qui germe. Pourquoi cet échec de 1946 ? On est frappé de voir comment de Gaulle, finalement, ne semble pas s'être donné les moyens en 1945-1946 de l'emporter sur les projets constitutionnels des partis politiques. Sans doute comprend-il à ce moment-là qu'il a fait une erreur, et pourtant Michel Debré l'avait averti, en refusant de constituer un parti politique qui défende ses idées dès la libération. Il le ressent très vite, puisque dès l'élection de l'Assemblée, qui va devenir la première Assemblée de la 4e République, il encourage l'Union gaulliste à défendre ses thèses constitutionnelles. C'était cette seconde rivière. J'en arrive à la dernière rivière, qui elle avait été traitée par David Valence, dont malheureusement nous n'avons pas pu mettre le texte dans la revue. David Valence nous expliquait que, contrairement à ce que l'on a pu penser, le texte de Bayeux n'a pas été un texte intouchable pendant toute la période du RPF. Pendant toute la période du RPF, puis des Républicains sociaux, en fait, au sein du Rassemblement,
on a discuté des questions constitutionnelles et de manière véritablement approfondie dans différents lieux. Au comité d'études, il y a un comité d'études qui, autour de Michel Debré et René Capitan, régulièrement travaille ces questions constitutionnelles. Au Conseil national, il y a une commission des affaires constitutionnelles et le Conseil national a comme fonction, entre autres, de préparer les assises du mouvement. Et dans ces trois lieux, comité des études, Conseil national, assises du mouvement gaulliste, on discute des questions constitutionnelles pendant toute la période du RPF. On discute de la question de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Comment préserver l'exécutif du risque de la tyrannie du législatif. Je reprends les mots utilisés dans les textes du RPF. On s'interroge sur la question du droit de dissolution. Est-ce que le président de la République doit en avoir le monopole? On envisage un temps de confier ce droit, par exemple, au chef du gouvernement. On s'interroge et on discute beaucoup du bicamérisme, car il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, et vous le savez tous bien mieux que les historiens, c'est combien De Gaulle est attaché au bicamérisme, combien il est attaché à l'existence d'une seconde chambre qui ne serait pas une chambre exclusivement politique. Il y a là une continuité dans les idées gaulliennes. 69 n'est pas arrivé comme cela sans raison. On s'interroge sur la désignation du chef de l'État, on s'interroge sur le référendum, dont le mot n'est pas prononcé dans le discours de Bayeux ou dans le discours d'Épinal, même si on en sent l'esprit très, très, très présent. Et finalement, on se rend compte que dans les premiers temps du RPF, on est plutôt dans la défense d'un modèle parlementaire rationalisé. Alors que, à la fin des années 50, on va voir que De Gaulle, en quelque sorte, a pris conscience de la nécessité plutôt de renforcer le pouvoir du chef de l'État. Il y a une espèce de radicalisation présidentialiste qui est le résultat de cette période du rassemblement du peuple français et des républicains sociaux. Pendant toute cette période, David Valence remarquait que le général De Gaulle ne prend jamais fermement position. Et il pratique beaucoup un art qui est spécifiquement gaullien, c'est l'art de l'écoute, l'art et la capacité de tester les hypothèses, si bien que ceux qui sortent de son bureau sont tous convaincus de détenir la vérité gaullienne. Et finalement, c'est assez tardivement que De Gaulle tranche, ce n'est qu'en 58 qu'il tranche sur tous ces avis qui ont été rassemblés pendant la période du RPF. Après le départ véritablement du général de Gaulle de la vie politique, donc au milieu des années 50 et de l'entrée dans ce qui est, au sens strict, sa traversée du désert à partir de 54-55, les gaullistes des républicains sociaux vont continuer à porter ces projets de réforme constitutionnelle. On sait que leur participation, quand elle advient au gouvernement de la 4e République, est toujours conditionnée à la question de la réforme constitutionnelle. Et en fait, jusqu'à l'expérience Mendès-France, beaucoup de gaullistes croient encore la quatrième réformable. Après l'échec de Mendès, après l'échec de Guy Mollet, au sein des gaullistes sociaux, le camp de ceux qui estiment qu'il n'y a plus rien de réformable est un camp qui dorénavant l'emporte. Pourtant, à ce camp n'appartiennent ni Jacques Chaban-Delmas, ni Triboulet, sont plus attachés finalement à réformer le régime qu'à le changer. Et au contraire, à ce camp de ceux qui estiment qu'il faut tout changer, appartient de plus en plus nettement Michel Debré, qui lui aussi radicalise en quelque sorte sa position sur le pouvoir du président de la République. Et c'est la raison pour laquelle, après 1956, finalement, les républicains sociaux vont être très en retrait sur les quelques projets de réforme constitutionnelle qui vont encore exister, vous le savez, jusqu'au projet Gaillard que Pflimlin essaie de défendre dans les quelques heures de Conseil des ministres qui sont les siennes au milieu du mois de mai. Donc, je conclurai en rappelant le nom de Nicolas Roucellier, qui est évidemment un nom incontournable. La cinquième, elle est bien le fruit, la constitution de la cinquième, elle est bien
le fruit de ces réflexions constitutionnelles du siècle, et en particulier du XXe siècle. Finalement, si en France, le XIXe siècle a été celui de la construction du parlementarisme, on comprend bien maintenant, en particulier avec les travaux de Nicolas Rousseillet, que le XXe siècle, c'est celui de la rénovation, de la renaissance du pouvoir exécutif, que cela sert d'abord ce qu'il a appelé le modèle Matignon à partir de l'expérience d'Houmerc-Flandin au milieu des années 30, puis que cela va ensuite servir l'autre rive de la Seine, l'Élysée. Je vous remercie. Merci. Pour dire quelques mots de conclusion rapide, après avoir travaillé donc sur l'amont l'an prochain, alors que s'approche le 60e anniversaire de la constitution de la Ve République, nous travaillerons sur l'aval, avec en particulier deux événements donc, que nous avons prévus. Le premier, donc, ce sera l'occasion des rendez-vous d'histoire de Blois. Le thème qui nous était posé, c'était l'innovation, l'invention. Et donc, nous avons pris les organisateurs à rebrousse-poil, puisqu'alors qu'on attendait de nous quelque chose sur le plan calcul ou je ne sais, nous avons choisi de parler de constitution, en réunissant Nicolas Rousseillet, justement, Jean-Pierre Chevènement, Arnaud Tessier, et en leur posant cette question, jusqu'où peut-on innover dans le cadre de la Ve République ? Ce qui permet peut-être par défaut de réfléchir à ce qu'il y a d'intangible, de fondateur dans le modèle de la Ve République. Ça sera donc début octobre, et puis surtout, la deuxième question qu'on va se poser, c'est une question de gouvernance. Le séminaire qu'on a mené récemment sur la défense, justement, nous a amené à nous demander comment est-ce que les idées gaulliennes passaient, en quelque sorte, de l'idée à la pratique. On a vu que l'organisation du modèle de défense, qui est lié au général de Gaulle, eh bien, dans le cadre de 1958, se mettait en place que très progressivement. Il y avait quatre organisations successives pour arriver à celle de 62, puis évidemment ensuite à celle de 64 avec le décret qui donne au président de la République le pouvoir sur la dissuasion. La question qu'on voudrait poser pour finalement célébrer ces 60 ans, ça serait de se demander qu'est-ce que les institutions de la Ve République vont rendre possible et comment. Quels vont être les compromis implicites, en quelque sorte, qui vont être rendus possibles avec l'administration, avec les grands corps. Quels sont finalement, pour construire le modèle social français, pour construire le modèle de défense, pour mener également la politique étrangère, sur laquelle on travaillera spécifiquement l'an prochain, ce fameux domaine réservé, comment est-ce que la Ve République va le rendre possible, ce qui va finalement nous renvoyer donc à cette idée que la Ve République, en 1958, c'est un processus en construction. C'est le début d'une construction, De Gaulle l'écrit lui-même dans ses mémoires, les institutions sont posées, comment vais-je les modeler ? Il me reste d'ailleurs à espérer que cette deuxième occasion, qui donnera lieu à un colloque, sans doute au mois de juin, on travaille déjà avec l'ENS, avec l'ENA, avec Arnaud Tessier, eh bien ça nous donnera l'occasion à la Fondation de retrouver d'une part mes deux camarades d'estrade, ça c'est sûr, mais aussi, je l'espère, donc certains d'entre vous. Je vous remercie. Et il me reste à vous inviter, donc, après une longue et méritoire attente, à gagner le buffet qui vous attend dans la cour. Merci bien.